Cléasim, entrée 25. Voilà quelques jours que je suis revenu de ma tentative pour aller chercher la capsule 12. Pour l'instant, j'ai décidé de laisser cette capsule de côté. Et je me suis occupé un petit peu de ma base en rajoutant une nouvelle baie pour mon CMOS. Ce qui me permet de recharger les deux véhicules beaucoup plus sereinement. Et également d'avoir une vision un petit peu sur ce paysage qui est toujours aussi magnifique avec les algues. J'ai aussi réussi à faire une zone, à protéger la zone de ce côté-ci pour éviter toute entrée d'eau trop importante si la base, structurellement parlant, venait à céder. Je me suis fait cette idée récemment. En tout cas, maintenant, j'ai du sel de disponible et de l'eau qui devra arriver régulièrement dans mon filtre à eau nouvellement construit. De cette façon-là, je devrais pouvoir survivre un peu plus aisément. D'ailleurs, elle se fait bien entendre. Il faudra un dépôt de corail pour pouvoir plus facilement récupérer des ressources. La base est toujours aussi magnifique dans cet environnement. Ça lui donne un aspect fantomatique. Même si je suis un peu le seul occupant de ce grand ensemble. Ce qui est parfois un peu déprimant, je dois bien l'avouer. Maintenant, il est temps pour moi de partir à nouveau sur les traces des survivants du Degassi. Je vais changer de couteau pour pouvoir riposter au besoin. Et maintenant, il va s'agir de prier. Va être important. Je ne pars pas avec le prône qui ne pourrait pas remonter de ces profondeurs-là et de toute façon même si je pourrais me battre avec les créatures, je ne compte pas les attaquer directement. Donc je préfère avoir une approche un peu plus... Ah si, je sais ce que j'ai oublié. Puisque je me dirige vers ma seconde base, j'ai besoin de récupérer. Aïe! De récupérer ma balise que je veux pouvoir placer sous la base. Et maintenant, le combat est engagé. Normalement, le chemin jusque là-bas est sans danger. Et plusieurs fois que je le fais, je n'ai pas rencontré de Léviathan. Heureusement. Mais il est vrai que ça peut s'avérer vite dangereux si je pars vainqueur trop vite. Puisqu'eux ne me laisseront pas le temps de m'en sortir. J'ai eu plusieurs fois de la chance de ne pas me faire tuer. Mais la chance n'est pas éternelle et la provoquer n'est pas forcément la meilleure des idées. Mètres et après aller à Jacques Trest. Je sais plus où j'ai lu ça, mais ça fait joli, donc pourquoi pas. Et si ça veut dire quelque chose, bah tant mieux.
suis pas mécontent de cette deuxième, de l'emplacement de cette deuxième base, même si cette porte qui se situe. Qui se situe là au-dessus n'est pas pour me faire plaisir. Voilà. De cette façon-là, je sais où je me situe. Et je pourrais facilement revenir. Maintenant, ça va être l'heure du combat. Il faut que je me dirige là-bas dedans sans lumière et que je sois prudent. Alors, l'entrée de la grotte, il est juste ici. Enfin, est-ce bien là? Non, ça n'est pas là. Je vais essayer de me charger le moins possible pour être léger dans ma descente. Qu'est-ce que c'est que ces bruits stridents? Legacy serait juste là en dessous? C'est bien la première fois que j'entends des cris stridents aussi stridents que ça. C'est du Legacy. C'est pourtant bien par là qu'il faut accéder. Je ne sais plus par où est-ce que j'étais venu la première fois. L'ordinateur est en train de me perdre. La base est juste au-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me semblait que c'était par là. Ma mémoire me fait assez peu défaut d'habitude. Je ne reconnais pas les lieux. Je me serais trompé d'endroit. Pourtant, non, ce n'est pas ici. Pourtant, je ne suis pas loin, c'est certain. Je me suis perdu. C'est quand même un comble. Enfin, tous les... Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je retrouve la carcasse du vaisseau. À partir de là, je pourrai me repérer, je pense.
Je sais qu'il y a une carcasse pas loin. Et je sais que l'entrée était toute proche. Je suis quand même pas fou. Je suis allé trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais certain que c'était juste en dessous de la base pourtant. Et que c'était juste en dessous. Je suis pas fou. Pas encore. Je ne retrouve plus mon chemin. Pourtant, je suis certain que c'est par là. Pas à 1000 mètres, c'est certain. Attends, je suis pas fou. Elle était immense cette base, je peux pas la perdre comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de... Pas possible. Attends, je suis bien juste en dessous. Je n'ai pas d'hallucination pourtant. Je suis sûr qu'elle est dans le coin. Il y avait l'entrée de... Et il y en a un par contre qui m'a repéré. Je compte pas me laisser faire. Pas cette fois ça. Pas cette fois là. Mais... je sais même pas où je suis. Je m'éloigne de là-bas, c'est tout ce que je fais. Pourtant, je sais que je suis pas loin, mais... voyons voir. Quand je suis par rapport à la base, ici, c'est là en dessous.
tourne en rond, c'est tout ce que je fais. Mais je deviens fou ou quoi? La base est par où? Par là-bas. Aïe, j'ai retrouvé le vaisseau. Bien. Maintenant. Et forcément, j'attaque en pleine nuit. C'est pas maintenant que je vais faire le meilleur des assauts, je pense, mais. Pouvoir retrouver mon chemin par ici. Non, c'est bien par là que je suis entré à l'instant. La base du dégâts a disparu? Les crânes aussi. Non. Ils sont bien là. Enfin, pas les crânes, mais les warpers, oui. Journal de bord, entrée 25 bis de Cléasim. J'ai fini par retrouver ce que je cherchais. Ça se trouve juste là-bas, j'ai réussi à retrouver l'élément. J'essaye de ne pas faire de lumière pour ne pas attirer les créatures qui nous avaient attaqué la dernière fois. Que ce soit le crabe calmar ou...
Je vais essayer de mettre un leurre de ce côté-ci pour les éloigner. Mais je ne sais pas combien de temps il durera, malheureusement. J'espère que ça va fonctionner. Je n'aurai pas beaucoup de possibilités de me sauver après. Et apparemment, eux me voient très bien, malheureusement. Je ne sais pas du tout si... Descends. Qu'est-ce que j'ai? Ils ont fait beaucoup de recherches, semble-t-il. De créatures. Pourquoi pas? Apparemment, j'ai trouvé tout ce que je pouvais trouver ici. Je n'aurais pas beaucoup plus de chance. Maintenant, il faut que je me casse. Et vite. Aucune raison de traîner dans le coin. Je ne sais pas quelle est la vitesse de nage de ces créatures. Je ne les ai pas attirés, tant mieux. Voilà un mouvement de soulagement. Je vais pouvoir monter à la base et étudier tout ça. J'espère ne pas devoir y retourner encore une fois. Mais l'ordinateur m'a sacrément trompé avec ces informations pour une autre base du Degassi. C'est vraiment pas une information bonne à prendre, malheureusement. Allez. Merci. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai comme élément? Posons ceci. On vérifiera les fluides plus tard. J'ai un œuf de créature, je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être assez étrange. J'ai une tablette orange. Je ne connais pas le... l'utilité. Faut que je mange. Car j'ai consommé beaucoup d'énergie là-bas sous l'eau. Mais malheureusement, j'ai l'impression que le leurre n'a pas fonctionné pour les crabes calmars. Ce qui n'est pas pour me rassurer. Allez. Voyons voir les informations données par le PDA. Alors, journal 8, apparemment. Marguerite, Maïda est montée à bord de l'habitat. Qu'est-ce qui vous rend si heureuse, Maïda? Regarde, gamin, je t'ai apporté quelque chose. Est-ce que c'est un Léviathan dehors? Je l'ai ramené ici, sur le dos du sous-marin. Vous avez tué cette chose? Il respire toujours. J'étais sur le point de finir le travail, mais je peux rester et bavarder si vous préférez. Non? Alors rends-toi utile et donne-moi cette lame durcie. Avez-vous perdu l'esprit? Vous avez ramené cette chose ici? Qu'est-ce qu'on va faire si cette chose n'est pas aussi morte qu'elle en a l'air?
Et si d'autres venaient, vous préférez qu'elles soient curieuses et viennent ici par elles-mêmes? Ou qu'elles soient bousillées et traînées ici? Lorsque nous quitterons cette planète, je vous traînerai à travers tous les tribunaux de cette foutue fédération. Elle est un peu folle, cette Marguerite. Journal du Degassi. J'en ai assez que vous risquiez nos vies. Oh, la ferme, chef. Le gosse ne peut pas tuer la maladie s'il n'a pas de spécimen pour ses recherches. Je les ramène à la maison. Bart, dis-lui que j'ai raison. Vous avez tort tous les deux. Marguerite, je ne peux pas déterminer comment ils résistent à la bactérie si tu les massacres tous. Ce n'est pas souvent qu'ils ont la gentillesse de venir vivants. Il veut dire que vous êtes trop brutal. Père, le résultat ne sera pas meilleur si on reste cloîtré là-dedans sans sortir. Il faut trouver un compromis. Pas de compromis, pas tant qu'elle sera dans ma base. Votre base? Je sors. Bart Sorgal est sorti de l'habitat. Bart, c'est dangereux, bon sang, fiston. Je sais que tu peux m'entendre. Bruit de Léviathan. Chef, chef, laissez la radio et mettez votre casque. Quoi? Accrochez-vous! Bruit de l'habitat qui se brise et de l'eau qui s'infiltre. Oh mon Dieu. Apparemment, ils ont été attaqués par Léviathan. Donc ce serait ça qui les aurait tués? Même si on sait que Bart a pu retourner sur l'île. Est-ce que ce serait ça qui les aurait tués? Peut-être. Mais ce serait une bien triste fin. Données scannées, tablette orange. Cet appareil bourdonne légèrement et affiche un symbole orange qui ressemble à un N. Il peut offrir un moyen d'interagir avec des technologies compatibles. Est-ce que ce se pourrait que... Ça fonctionne avec ce qu'il y a là-haut? Voyons voir.